En ce début du troisième millénaire, au Maroc, près de la moitié de la population a moins de 15 ans. Parmi les priorités nationales figure l'éducation de cette jeunesse dans les villes et davantage encore dans les campagnes où sévit un véritable fléau, l'analphabétisme. Le territoire du Maroc est vaste et insuffisamment équipé en infrastructures. Plusieurs douars, ces villages ruraux, sont enclavés et pâtissent des effets d'une sécheresse d'autant plus sévère qu'elle est récurrente. Se procurer de l'eau est une priorité vitale. Dès leur plus jeune âge, les enfants travaillent au champ et doivent renoncer à leur scolarité. Les rares écoles sont éloignées des hameaux et les enfants qui s'y rendent doivent parfois parcourir de 4 à 5 km à travers des pistes souvent impraticables. C'est l'une des raisons pour lesquelles plus des 3/4 de la population rurale marocaine est illettrée. Pour lutter contre le fléau de l'analphabétisme, Sa Majesté Mohamed VI a lancé un vaste programme de réforme de l'éducation. La lutte contre l'analphabétisme est une œuvre collective nationale à laquelle le groupe BMCE Bank a voulu contribuer à travers sa fondation. La contribution de la fondation BMCE Bank à ce projet national est, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, le Programme des Nations Unies pour le Développement et l'Université Paris 5 Sorbonne, la création d'un millier d'écoles dans le monde rural à l'horizon 2010. Le concept de MEDERSATCOM est unique à plusieurs titres. L'enseignement est adapté aux réalités du monde rural par l'usage en classe de la langue maternelle. Cet enseignement est ouvert à la modernité par l'emploi de l'ordinateur comme outil pédagogique. Il amène l'eau et l'électricité à l'école et aux douars. MEDERSATCOM est au centre du développement communautaire avec le concours des villageois pour sa construction et sa gestion. Enfin, MEDERSATCOM offre la scolarisation des enfants, l'alphabétisation et la formation des adultes. Répartis aux quatre coins du Maroc, les chantiers sur des terrains cédés par des habitants du village utilisent au mieux leur savoir-faire et les matériaux du terroir. Non sans difficulté car l'accès des sites est problématique. L'électricité et l'eau notamment y font défaut. Mais les villageois pressentent qu'un changement important de leur mode de vie est en train de s'opérer. Et les enfants regardent avec étonnement leur école surgir de terre.
ensemble, nous écrivons une page nouvelle de l'éducation rurale en inaugurant aujourd'hui les deux premières écoles communautaires de la Fondation BNCE. Madrasat Koum, votre école, Excellences et Messieurs les représentants des pouvoirs publics, plus particulièrement du ministère de l'Éducation nationale, Madrasat Koum, votre école, Monsieur l'ambassadeur Semou Diouf. Madrasat Koum, votre école, professeur Bentolila. Les enfants que vont accueillir ces 15 premières écoles parmi le millier que nous ambitionnons de bâtir d'ici 2010, Inch'Allah, sont encadrés par des instituteurs, eux-mêmes issus des douars où ils vont enseigner et vivre. Nous avons voulu qu'ils accueillent les élèves dans leur langue maternelle. L'école communautaire rurale de la Fondation BNCE est le fruit d'un métissage de cultures, la culture de l'intérêt national, alliée à la culture de l'initiative pionnière, de l'efficience et de l'innovation au service d'une cause la plus prioritaire des priorités, l'éducation. À une heure de Fès et à quelques kilomètres de piste se trouve le douar de Dabza. Les instituteurs Abdel Salam et Awatif ont pris en main la destinée de cette nouvelle école communautaire rurale. La plupart de ces enfants n'ont jamais été scolarisés. Ne peuvent être retenus que ceux âgés entre 6 et 8 ans pour la première année du primaire. Les autres, ainsi que les adultes, pourront bénéficier de cours d'alphabétisation et d'ateliers d'apprentissage. Le matériel pédagogique est entièrement fourni par la fondation BMCE Bank qui en assure la maintenance. Elle prend également en charge la rémunération des éducateurs animateurs. Il est temps de connecter les panneaux solaires, seule source d'énergie pour l'éclairage de l'école et le fonctionnement des ordinateurs. Demain, c'est un grand jour. La première rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi pour Awatif et Abdel Salam. <t'en>
الفيلاج ملي جاتو السكويله هي الدهر غادي تكون فيه واحد البشرات الخير، وكنظنوا غادي يكون فيها الخير لان غيتقدم بينا الوليدات ديالنا ان شاء الله اصلاح ويقراو ويتناموا وما يكونوش يبقاو ينقذهم الله من هاد الاميه لان راها عامه عندنا، وملي بلغتنا حتى المحال غادي تكون صالح وليداتنا ان شاء الله. En contrebas du village, un puits a été installé où, en période de sécheresse, l'eau est rationnée. Une pompe permettrait d'alimenter directement le douar. En attendant, le va-et-vient d'ânes lourdement chargés rythme le quotidien des femmes et des enfants. فاش يبغي يعمر تنشدوه. L'école Médersatcom est alimentée en eau. L'usage du robinet est pour les enfants une révélation. Ils découvrent l'eau courante. Au même titre que le manuel ou le tableau, l'ordinateur fait partie de l'environnement de la classe. Bientôt, grâce au réseau Internet, il sera une fenêtre grande ouverte sur le monde et le véhicule de communication du réseau des Médersatcom à travers le Maroc. واش كتمنوا تشوفوا في وليداتكم؟ احنا ما قريناش عارفين هذا الطريق بعيده علينا ما تلقاو لا تليفون نضربوا لا لابيلونس ولا الطبيب حدانا اللي يجي يقلبها لا والو كتموت تنقعد نساكن هنا شحال من وحده ماتت هنايا بلا طبيب بلا حتى حاجه La visite de Nawal, directrice de la fondation, suscite maintes remarques. On va aller en classe. On va aller en classe. Thank you.
احنا مجرد ما غادي نبني وغادي نخليو لكم السويرتات بين يديكم، لان هذا الحيوط ديالكم والارض ديالكم والولاد ديالكم. حنا كنبنيو كنمشيو ما عندنا من، ولكن الا سهرتوا عليه ونجح هذا المشروع راه كنا ناجحين. الناس ديال البنكه تنشكروهم، الله يجازيهم بخير على الخير اللي دفعوا لينا، وما دفعوا لينا خير وحنا نحافظوا عليه، وكل الفضل ديالو غادي يرجع لينا حنا، لينا والولاد ديالنا. وشكرا. Medersatkoum, qui signifie en arabe votre école, se veut être celle des villageois, des parents, des éducateurs et des enfants du monde rural marocain, fiers de leurs racines, de leur langue et de leur terroir.